Taquelli. Et elle brille de mille feux, on la retrouve avec plaisir dans ce rendez-vous, Zakweli. Bonjour Kalatoumi Abdilati. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et merci pour ce compliment. Ce matin, nous sommes avec Hélène Polozek, la conseillère départementale de Mamoudzou 3. Bonjour. Bonjour tout le monde et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Mayotte est bloquée depuis 3 semaines maintenant. Marie Huguenot a été nommée ministre des Outre-mer. Pensez-vous que ça pourrait faire avancer les choses aujourd'hui? J'ai rencontré Marie Huguenot dans le cadre de la campagne pour les présidentielles de 2022. C'est une femme très déterminée, très bosseuse. Maintenant, est-ce qu'elle connaît plus les Outre-mer que d'autres? Non, mais elle s'attellera à la tâche et je serai tout à l'heure à la passation de pouvoir pour lui demander de prendre au plus vite à bras-le-corps le dossier de Mayotte. Est-ce que justement, c'est parce que j'ai pu lire déjà ici et là des réactions d'ultramarins, notamment le député guyanais de Viriman qui disait que le gouvernement a nommé une personne qui ne connaît absolument rien des Outre-mer. Absolument rien, c'est faux, puisque je disais, nous étions en lien avec elle pendant la campagne des présidentielles, mais c'est vrai que c'est toujours décevant de ne pas voir un ultramarin à ce poste-là. Et pour ma famille politique, c'est décevant de perdre ce ministère puisqu'on avait en vigier un ministre qui était vraiment à l'écoute, qui n'hésitait pas à venir, qui est venu 4 fois à Mayotte en 6 mois de nomination et qui n'hésitait pas à dire quand les choses n'allaient pas non plus au niveau des services de l'État, au niveau local. Vous l'avez dit, hein, vous serez à la passation de pouvoir tout à l'heure. Vous, la macroniste, comment vous regardez aujourd'hui la gestion de cette crise par le gouvernement ici à Mayotte? Je suis bayrouiste, mais c'est vrai qu'on... Bayrou est très proche d'Emmanuel Macron. On entend... J'entends la déception des Mahoraises et des Mahorais qui disent que ça va faire 18 jours que l'île est bloquée et qu'on n'a aucune solution. La ministre vient d'être nommée et je vais faire le maximum. Je pense que c'est aussi le cas des parlementaires qui sont ici pour être entendus, pour qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. On ne peut pas laisser l'île paralysée. Encore longtemps, ça a été très bien dit pendant le journal, les agriculteurs n'arrivent plus à travailler. Certains corps de métier du CHM ne sont pas autorisés à passer, donc le CHM tourne au ralenti. Les enfants ne vont pas à l'école, on ne peut pas continuer dans cette situation-là. Justement, le sens de ma question, c'était pour en revenir à ce que disait Badirou Abdou des membres de Force Vive, si cela s'était passé dans un autre département en France hexagonale, il y aurait eu une réaction plus rapide. Est-ce que vous partagez cet avis? Je partage cet avis et le Premier ministre aussi partage cet avis. Il l'a très bien dit à sa réponse au président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Que oui, si la situation qui se passait à Mayotte se passait n'importe où ailleurs, on entendrait parler matin, midi et soir dans les médias nationaux. Mais c'est vrai que comme on est loin, on a tendance à nous oublier. Bah oui, mais une fois qu'il l'a dit, parce que les membres de Force Vive demandent l'envoi d'un interlocuteur autre que le préfet pour discuter. Pourtant, jusque-là, cet interlocuteur n'a pas été envoyé. Ils appellent plutôt les membres du collectif à renouer le dialogue avec le préfet. On attendait aussi la nomination de la ministre déléguée aux Outre-mer. On ne pouvait pas avoir un interlocuteur avant même d'avoir la ministre. Il fallait respecter quand même un minimum la hiérarchie. Je pense que les forces vives ne seront pas contre le fait d'échanger directement avec la ministre aussi, plutôt que de passer par un interlocuteur extérieur. Vous, qui êtes assez proche du pouvoir, du coup, vous pensez que dans la semaine à venir, on pourrait débloquer les choses? Moi, j'y crois, oui.
Mayotte est bloquée. Vous l'aviez dit, hein, on voit la situation, l'économie de l'île qui s'effondre. On a beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui qui ne fonctionnent plus. Est-ce que vous êtes pour ou non la levée de barrages? Moi, je suis pour la reprise du dialogue. C'est très important de reprendre le dialogue pour discuter ensemble de comment nous allons sortir de cette crise. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas vraiment la porte de sortie de cette crise. Il ne faut pas qu'on s'enlise dans une crise qui tuera notre économie qui est déjà mise à mal. Mais je le dis et je le répète, moi j'ai toujours été aux côtés des manifestants, puisque les doléances sont tout à fait légitimes. On a des citoyens français qui demandent à être des citoyens français avec les mêmes droits, les mêmes devoirs que le reste de leurs compatriotes. Et sur ces questions-là, moi, je ne peux qu'être avec les manifestants. J'essaye, moi aussi, et beaucoup d'autres élus essayent de remonter ces doléances pour qu'on puisse avoir des réponses le plus rapidement possible. L'événement catalyseur de toute cette crise a été le début du démantèlement du stade de Cavani. On sait que le démantèlement ne va pas assez vite. Je suis arrivée hier à Paris et dès mon arrivée, j'ai été reçue au Quai d'Orsay pour échanger sur la difficulté d'obtenir des laissez-passer consulaires pour reconduire les déboutés du droit d'asile. Et on m'a confirmé que des échanges étaient bien en cours avec les pays originaires de ces différents migrants déboutés pour qu'ils puissent être reconduits une fois qu'ils font l'objet d'une OQTF. Mais la Constitution française ne nous permet pas de faire comme au Royaume-Uni, de dire on passe un partenariat avec un pays en Afrique et on renvoie tout le monde là-bas. C'était une chose que le sénateur Tani avait mis en avant dans une radio concurrente. C'est aussi quelque chose qui avait été évoqué à l'Assemblée nationale lors de la mise en place de la commission de contrôle de l'aide au développement. C'est un texte porté par Jean-Louis Bourlange, qui est député MoDem aussi. Et on avance, c'est vrai qu'on n'avance pas assez vite pour Mayotte. Mais en tout cas, on avance. Alors, vous parlez de la question de visa consulaire, mais au-delà de ça, c'est cette question de migrants vers ici, Mayotte, est une question régionale, parce qu'aujourd'hui, que ce soit aux Comores ou en Tanzanie, il y a énormément de candidats à l'immigration vers Mayotte. Vous qui avez été au Quai d'Orsay, comment aujourd'hui essayer de régler ce problème au niveau régional? C'est ce que je disais, il y a la nécessité de passer des conventions, des partenariats avec les différents pays. Aujourd'hui, il y a un accord entre l'Union des Comores et la France pour faire les 25 000 reconduites à la frontière faites pour les Comoriens qui viennent en situation irrégulière. Aujourd'hui, à Mayotte, un Comorien qui vient, qui est intercepté en mer, va être emmené au CRA et va être renvoyé très rapidement. On peut le faire parce qu'on a ces accords-là, mais nous n'avons pas encore ces accords avec tous les pays de la zone. Le sens de ma question, c'était comment faire en sorte qu'ils ne viennent même pas ici. C'était plus cela. Mayotte est un territoire ultra attractif. Si on regarde l'Afrique dans sa globalité, on enlève juste la Réunion qui a un PIB similaire au continent. Mayotte reste le deuxième pays le plus riche, enfin le deuxième territoire avec le PIB le plus élevé d'Afrique derrière Maurice. Donc le territoire est attractif. On ne doit pas cesser de développer notre territoire, on ne doit pas cesser de donner les droits à nos concitoyens sous prétexte que le territoire devient attractif et donc attire les candidats à l'immigration irrégulière. On a besoin de davantage de contrôle des frontières, et ça tout le monde le dit et le répète. On a besoin de ces accords pour pouvoir reconduire à la frontière toutes les personnes qui n'ont pas le droit
de séjourner sur le territoire. Pour les demandeurs d'asile sur Mayotte, nous n'avons pas les infrastructures pour accueillir. Pour les demandeurs d'asile sur Mayotte, nous n'avons pas les infrastructures. Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, sont rapatriés sur la métropole par vague de 40 personnes, mais seulement les personnes qui ont reçu le droit d'asile. Dans la mesure où on ne peut, si j'ai bien compris, de toute façon, on ne va pas pouvoir stopper la venue de ces personnes sur l'île, est-ce qu'on peut penser, l'abrogation donc de la carte de séjour territorialisée pour les détenteurs, pour qu'ils puissent partir ailleurs sur le territoire national? Deux, est-ce qu'on peut imaginer que tout candidat à l'asile en France, arrivé à Mayotte, on les met dans l'avion, on va traiter son cas dans l'Hexagone? Est-ce que c'est possible? L'asile se gère à deux niveaux. Je vais commencer par l'asile. Au niveau national, mais aussi au niveau européen. Au moment où la loi Asile et Immigration française a été validée, il y a eu le pacte européen de la migration et de l'asile qui est passé aussi et qui invite l'ensemble des pays de l'Union européenne à mieux collaborer pour faire face à ces vagues d'arrivées de migrants. Il faut savoir que les territoires où il n'y a pas de stabilité gouvernementale font souvent l'objet de guerres et de prises de pouvoir par la force, et donc la population fuit des situations particulièrement précaires. Maintenant, Mayotte, c'est un territoire de 374 km², on ne peut pas accueillir toute la misère de l'Afrique. Et pour le volet des titres de séjour territorialisés, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a reconnu publiquement que ce titre de séjour territorialisé était un problème pour Mayotte lors du forum Les Outre-mer aux avant-postes organisé par le magazine Le Point. C'est la première fois depuis que ce titre de séjour territorialisé est mis en place, qu'un ministre reconnaît c'est un problème. Et donc, on va vers l'avancée de ce que demandent les forces vives aujourd'hui, de la levée de ce titre de séjour. Maintenant, il faut mettre des contreparties, parce que sinon, oui, on va attirer encore plus de monde. Donc, il faut réfléchir à quelles conditions on peut mettre pour l'obtention de ce titre de séjour. On a l'outil, je sais que les Maorais ne veulent pas vraiment en entendre, mais on a l'outil projet de loi Mayotte pour mettre en place ces outils qui n'existeraient qu'à Mayotte. Et donc on est sur la bonne voie maintenant. Encore une fois, ça ne va pas assez vite pour les Maors. Vous dites que le ministre effectivement a reconnu que c'était un problème, mais on sait que tous les partis politiques aujourd'hui au niveau national ne veulent pas de toute façon de la levée de cette carte de séjour territorialisée. Donc ça va être compliqué de toute façon de l'enlever. Bah, ensuite il y aura un vote. Ce sera le travail de tout. Les personnes qui ont des liens avec Paris, de faire le lobby nécessaire pour que, lorsque cette question sera posée, la réponse soit favorable à Mayotte. Nos parlementaires nous ont déjà signifié qu'ils étaient quatre, on n'avait que quatre parlementaires, contrairement à d'autres territoires, qui ont beaucoup plus de poids que nous. Il faut se l'avouer que ça sera très compliqué. Mais il faut avoir des partenariats forts avec les différents groupes politiques qui siègent dans les différentes assemblées. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons nos députés dans deux groupes différents. Ils doivent déjà travailler pour faire en sorte que leurs deux groupes soutiennent le projet. Vous faites ce travail auprès des députés MoDem aujourd'hui? Bien évidemment. Moi, je suis en lien permanent avec les députés MoDem pour parler de Mayotte, pour défendre les intérêts de Mayotte. Donc oui,
Mais en même temps, ça doit leur faire peur quand on voit la situation au niveau local, quand on donne les chiffres sur l'immigration et quand on voit l'arrivée de ces nouveaux migrants. Mayotte, c'est l'autre voie aujourd'hui pour accéder à l'Europe. Quand on va leur dire, bon, bah, il va falloir accepter que toutes ces personnes viennent en France hexagonale. On sait déjà à quel point cette question migratoire est très crispante dans l'Hexagone. Ils n'ont pas envie de vous dire oui, non? Mais bien sûr que si, le MoDem défend Mayotte de façon très, très soutenue. Notre président de parti, François Bayrou, a un lien particulier avec notre territoire. Il était très proche du sénateur Henri. Il a été aux côtés du député Abdou Latif Ouali sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc si les intérêts de Mayotte sont défendus, en tout cas par mon groupe, par le groupe de ma famille au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je disais, charge à toutes les personnes qui ont des liens avec les différents groupes des chambres de faire ce travail de négociation. On a mon collègue Daniel Zaïdani qui a un lien particulier avec le Rassemblement national, qu'il fasse le nécessaire pour que l'ensemble des députés votent en faveur de la fin de ce titre de séjour territorialisé. Nous avons le député Mansour qui siège chez les LR, que tous les LR votent en faveur de la fin de ce titre. Pareil pour le groupe Liot, le groupe MoDem, si c'est vous, une proposition... Vous avez entendu, Hélène Polozek, l'intervention du député Marlex hein, pour Mayotte, hein, pour parler de Mayotte. Et bien évidemment, dans son intervention, il évite cette question de la carte de séjour territorialisée. Après, c'est au député Mansour Kamardine de faire le travail nécessaire. Il est sur les bancs de l'Assemblée nationale depuis un moment. Il connaît très bien ses collègues. Ses collègues le respectent énormément. Il doit pouvoir se faire entendre. Et ensuite, je disais que si cette proposition émane du gouvernement, bah bien évidemment que la majorité, même si elle est relative de l'Assemblée nationale, sera en faveur. Maintenant, au niveau du Sénat, c'est vrai que c'est le groupe des Républicains qui est majoritaire et donc il faudra que notre Et ça député, fait des années que le si Sénat, majoritairement LR, rejette systématiquement cette proposition. Il y a des avancées qui ont été faites. Je pense notamment à la modification du droit du sol à Mayotte. Tout le monde disait, amendement Tani, hein, tout le monde disait c'est impossible, c'est anticonstitutionnel, et pourtant aujourd'hui à Mayotte c'est une réalité. Il y a la volonté aujourd'hui aussi de durcir ce droit du sol. Aujourd'hui il faut prouver de 3 mois de situation régulière sur le territoire avant la naissance de l'enfant pour que l'enfant puisse être candidat à... Mais ça n'a rien changé par rapport à quand on voit les chiffres des naissances à Mayotte, ça n'a pas fait baisser les chiffres des naissances. Ça prend du temps et cet amendement avait été aussi fait par rapport à la crainte des Mahoraises et des Mahorais de voir changer l'électorat en cas de nouveau référendum. Nous, on ne demande absolument pas de référendum, on est très bien avec notre statut, mais c'était aussi une crainte de l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais. Aller discuter avec la population, c'est une question que... moi, j'ai abordé avec beaucoup de monde quand j'étais sur les barrages jusque avant-hier, dans les différentes manifestations. Et c'est une crainte de la population à laquelle on répond partiellement. De durcir le droit du sol, ça rend un peu moins attractif le territoire de Mayotte, puisque les enfants nés ne seront plus automatiquement français. Mais c'est ce que je disais aussi, Mayotte, deuxième territoire d'Afrique, deuxième territoire avec le PIB le plus élevé du continent africain. Donc, il y a toujours cette utopie de se dire, en venant à Mayotte, j'aurai une vie meilleure. Sauf qu'on se rend bien compte que les services publics sont saturés, qu'aujourd'hui, l'éducation des enfants est bradée par manque, à la fois manque d'enseignants, mais aussi surcharge des classes et des établissements. Moi, je sais que le collège où j'étais, le collège de Mgombani, construit pour 900 élèves, quand moi j'y étais aux alentours de 2011, on était déjà 1200. Aujourd'hui, on est à plus de 1700 élèves. Et on ne peut pas continuer avec cette démographie
galopante sans contrôle. À Merci. voir comment est-ce qu'on peut fixer les populations sur leur territoire ensuite par de partenariats. Mais ça c'est une autre question qu'il faut aussi aborder. Merci beaucoup, Hélène Poulouzek, pour cet entretien. Vous restez évidemment avec nous pour les questions de nos auditeurs et auditrices. Il est 7 heures passées de 34 minutes.